Si. On en était là. On s'est arrêté sur ce magnifique fauteuil, avec une garde qui me regarde avec des grands yeux. Très très bien. Pour moi, tout m'a l'air bon. Destin, s'ils le sont. Bah nickel. Nickel, nickel. Bon. On va avancer. On va avancer un petit peu. Alors, j'en étais où avec tout ça? Einstein. Première leçon. Retourner vers Gadma. Et ben, on va. Je pense qu'on va continuer la quête. Ouais, je pense qu'on va continuer la quête des mages potentiellement. Des mages, peut-être potentiellement, je sais pas encore, je me tâte. Hop, position. Je suis un peu loin du micro. Voilà. Je voulais faire. Enfin, je pourrais revendre mes dagues de fer, mais je m'en servirai pas. Ouais, je pense qu'on va faire ça. J'ai une petite sauvegarde rapide, on sait jamais. Et je pense qu'on va. Je pense qu'on va finir la quête, la petite quête de. On va finir la quête de la confrérie noire, je pense, ça peut être intéressant. Cœur pour prénom. Et où? Les mains sont bons, non? Laisse-moi rentrer mon grand. J'ai perdu un truc. Magnifique ce drapeau de près. Alors. Vous êtes de retour, bien. Ouais. Alors, c'est une plaisanterie. Qu'est-ce que c'est? Parsitis. Tu es l'empereur. D'ailleurs, personne n'a osé. Non, c'est. J'ignore ce qu'il se passe au juste.
Vous pensiez que j'ab... Mais cela fait beaucoup à assimiler d'un coup. J'ai besoin de temps. Je pense que nous devons faire esti... Un seul homme. Donnez-moi la lettre. Apportez l'amulette à Mallory. La confrérie noire a déjà eu affaire à Delvin Mallory. On peut se fier à lui. Moi vous aussi, j'ai déjà eu. Bien. Alors, avez-vous rencontré ce motière? Que voulez-vous? J'ai déjà bossé pour lui. Allez, direction Delvin. Delvin. Que je pouvais y aller, mais là j'ai eu peur. Guide et voleur. Bon, bien. La citerne. Je peux vous aider? Oui. Vous faites des vagues dans le coin. On a choisi la voie du crime, hein. Je vais vous apprendre, mais ce n'est pas gratuit. Oh, les flèches de feu. Oh, ça c'est bien ça. Bon. Faudrait que j'améliore un arc. Que je fasse un arc parce que j'ai une arbalète, mais j'ai pas un arc. C'était un bol. Tous les regards sont posés sur vous, l'ami. Ne nous décevez pas. Oh, t'inquiète pas, j'ai pas l'intention de te décevoir. Il est où David? Il est parti se coucher? Oh. J'ai trouvé quelques nouveaux clients. Besoin de quelque chose pour la guilde? Oh. Eh bien. Ah, tiens. Et comment va Astrid? Ah, les affaires. Toujours les affaires. Que peux-tu me dire sur ce Voyons, où avez-vous bien pu trouver cela? Il s'agit d'une amulette du conseil des anciens de l'empereur. Je sais que ce n'est pas à moi de. L'acheter? Oh oui. Ah, tenez, rapportez cela à votre charmante maîtresse, avec toute mon estime. Toute mon estime. Bon, on avance. Je pense que j'ai bien aimé cette texture. La luminosité est plutôt pas mal, c'est plus réaliste. Le coffre, je peux vous aider. Enfin, dégage. Allez, on monte. Direction la coffre noire. La coffre noire, d'ailleurs, faudrait que je remonte, tu vois. On va remonter comme ça le long des trucs. Ce sera une zone à découvrir. Il y a le feu noir. Le feu noir, il est pas content. Toi. Bien, vous êtes de retour. Le conseil... Ah, ceci explique cela. Mallory était-il prêt à... Merveilleux. Mais par Citis, j'espère que je fais le bon choix. Vous avez beau être efficace pour... La lettre cachetée que vous m'avez portée était mystérieusement décachetée à son arrivée. Parlons peu, mais parlons bien.
Comme vous le savez sûrement déjà, puisque vous avez lu la lettre, vous allez... Eh bien... Oh. Et on dit que le romantisme est mort. Allez, dis-moi qui se doit tuer. Le nom de la cible est Vittoria. Le mariage. N'oubliez pas. Maintenant, partez. Et embrassez la mariée, de ma part. Ne devriez-vous pas être en train de gâcher le plus beau jour de la vie? Je vais l'embrasser, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Ça va être sans douleur. Oh, ça sent le dragon là. Et effectivement. Ah bien bon. Bien bien bonjour. Je t'attends. Avec la nouvelle épée de Conan. Je voulais faire.
et c'est bien. Ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Oh, mais sympa ta petite épée là. Un arc elfique. Tempête. Eh ben, je vais te vendre quelques petites choses qui ne me serviront plus désormais. 89, je vais la garder, ça je me garde. Après ça je la garde. Marmar galette. Je vais te la revendre, ça, je le revends si je m'en servirai pas, les dagues, clairement, et on va repasser un peu sur les flèches, enfin les flèches parce que j'ai récupéré quand même des masses de flèches, les carreaux d'acier, non, alors qu'est-ce que je peux acheter, je peux acheter des bonites déjà, de l'énergie, je cherche justement quelqu'un comme toi. Quoi? Ouais, je m'appelle Barbas et tu pourrais sûrement m'aider à régler un problème. Je sais, des batailles à... Bon, quand tu voudras bien rendre service, retrouve-moi près de la honte des marques. C'est excellent. J'ai un chien qui vient me voir. J'arrive. Alors, arbalète est venu. Non. Arbalète est vert. Alors, je vais regarder ce qu'il y a que je peux faire. J'ai un arc de bonus. J'aime bien un peu nord. Prends lingot d'acier, regardez donc. Ouais, que je progresse aussi là-dedans. Vous allez bien, j'espère. Les impériaux ont toujours besoin de quelque chose, faut croire. En quoi puis-je vous aider ? Alors... Les impériaux ont toujours besoin de quelque chose, faut croire. En quoi puis-je vous aider ? Bah non. Les étrangers comme vous doivent avoir des tas d'histoires à raconter, bien entendu. Revenez me voir si vous avez besoin d'armes ou de... J'ai de belles armes. Ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Ouais. Je vais pas tellement m'en servir et puis après ça me permettra de forger. Ouais, on va vendre ça. Allez. Bonjour, ma grande épée si nécessaire.
Prenez soin de vous, et portez toujours votre armure. T'inquiète pas, je vais la porter, mon armure. Juste me forger un arc. Un arc d'ébonite. Armée armure forgée par un maître artisan. Il faut une armée artisan. Mieux en matière d'armes et d'armure. Tu peux faire mieux, mon gars. Tu peux faire mieux. T'as tellement de capacités pour faire mieux. Pas la prochaine fois. Améliorer mon arc. Voilà, vos légendes. Et je fais ça. Et je vais lui équiper. Alors, en termes de dommages, donc j'ai 89 avec ça. Les pioches et tout, je les laisse. Les flèches de. Pour l'instant, il y aura ça. Lèche des bonites. Voilà. Améliorer comme ça ma compétence à l'arc. Bon, très très bien. Vous pouvez vendre cette vieillerie chez Bric-à-Brac. Ou cette vieillerie, je viens de la forger. Armure de qualité. Faites-vous plaisir, vous offrez un cadeau. Bon. On va faire un massacre, on va attendre un petit peu. Repoussez le froid avec notre vin épicé. Oui, vin épicé. Pff. Allez, suivant. Ouais, bah ça devrait faire l'affaire. Bon, on va continuer, on va faire le mariage. On raconte qu'Ulfric Sombrage aurait assassiné le haut roi avec ses cordes vocales. Il l'aurait mis en pièces d'un seul cri. Oui. Suivez mon conseil. Ne jouez jamais. Trop de jeux de boissons, trop de paris. Ouais, bien sûr, bien sûr. Trop de jeux de boissons, trop de paris. Et je suis trop vieux pour payer de ma poche. Impériaux, vous parlez de bord de ciel comme si vous connaissiez cette terre. Je suis content que Vitoria et Asger aient organisé une réception publique. Toute la ville pourra partager son message. Une journée extraordinaire. J'espère que vous profitez bien des festivités. Oh, inutile d'être timide. Profitez de cette journée. Mangez, buvez, chantez. Tant que je reste à l'écart, ça ne dérange pas les gardes que je sois là, apparemment. N'était-ce pas de la trahison ? Ce mariage est barbant. Ils auraient pu faire venir tout. Non, ça n'a rien à voir. Oh, vous avez raté la cérémonie. C'était plutôt rapide, pour tout vous dire. Le couple semblait davantage penser à la réception. Préserver nos propres traditions. C'est exactement ce que je veux. Vitoria s'en est plutôt bien tirée en épousant cet Asger. Il n'est vraiment pas désagréable à regarder. Au mariage de ma tante, il y avait un gâteau d'un mètre de haut. J'y étais très malade. J'étais à deux doigts de me faire tuer. Faut que quelqu'un fasse quelque chose. C'est pas trop rien. Oh, c'est trop. Des crimes contre Bord de Ciel et ses habitants.
Qu'avez-vous à dire pour votre... Tout a l'air en ordre. Vous pouvez circuler. Oui, vous pouvez circuler. Attendez. Merci. Tu gamin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quelqu'un ferait ça? Pourquoi quelqu'un ferait ça? C'est bien, ça avance. Ça avance, ça avance. Donc, nous en étions. En plaquette. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y a des gardes qui vous poursuivent. Il y a des gardes qui vivent. Discrétion, la discrétion, alors. On avance. On avance, on avance. Ouais, il y a des gardes. Comme la dernière fois. Ah, tu vas me dire qu'il y a des gardes qui me poursuivent encore? Mais non. Ouais, je vais foutre une droite à quelqu'un et puis je viens. Hein. Ça va être réglé. Ah, si les gars qui me poursuivent encore, putain, il y a toujours un gars pour me poursuivre. Chier. Ils vont chier ces gars-là. Allez, on monte. On trouve la maison. On va y foutre le feu. Puis-je vous aider? Vous avez gagné. J'arrête. Oui, j'arrête. T'avais raison. Il fallait arrêter.
reste un. Il en reste un à tuer. Je vais m'en charger. Je vais aller lui dire bonjour. Faites attention. Non, attends, pas sûr, attention. Il est où? Alors. Il vient de m'attaquer là. Repliez-vous à la main. Alors. Ah bah voilà. Je ne suis plus poursuivi parce que j'ai tué tous les gars. Pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Il fallait que je massacre tout le monde. Maintenant que c'est chose faite, je peux m'en aller. Je pense que le jeu est peut-être un poil trop fort. Je viens de m'en rendre compte par rapport au stream. Voilà, donc là je suis bon. On est bon, le live, ok. Ok. Il ne s'est rien passé. Alors, je vais jeter un œil sur. J'ai l'impression que je vous ai un peu en décalé. Mais... mon flux. Non, ça m'a l'air pas mal. Bon, reviens en jeu. Voilà. Alors, Astrid. La nouvelle se répand. Oui. Vittoria Vici, la cousine de l'empereur, massacrée à son propre mariage. Bien joué. Voyons si son éminence parviendra à ignorer cet affront. Elle a saigné comme une truie qu'on embroche. Vici, vous nous avez conduits sur un chemin que la confrérie noire n'a pas emprunté depuis des siècles. Un chemin qui mène à l'assassinat d'un empereur. Ouais. Je peux vous aider. Comme je vous l'ai dit, allez parler à Gabriella. Elle m'aide à organiser votre prochaine mission. Comme cette affaire touche l'empereur, tout le monde est impliqué. Ah bah si tout le monde est impliqué, j'en suis très heureux. Qu'est-ce que je peux faire ? Que je peux encore améliorer? Non. On va aller voir Gabriella. Vous êtes en vie. Ah, Nazir. Pas de plaisanterie. Et si vous... Sauf, bien sûr, si... Fantastique. Votre paiement, comme d'habitude. Je vous apprendrai à l'utiliser efficacement et à conserver votre agilité. Nickel. Comme ça, je vais pouvoir augmenter mon niveau. Ouais, je suis pas loin. Bonne chance. Plus personne ou presque ne se souvient des sombres écailles. C'est une vieille tradition d'un autre temps. Cher frère, je vous attends. L'arrivée de le chef de la sécurité. Vous devez tuer le fils du commandant, Gaius Maro. Et lorsqu'il sera mort, placez sur son corps une fausse. Il doit quitter l'avant. Allez là-bas. Benitus oculatus, ça va, c'est vrai. Une dernière chose. Pour toucher votre prime, ne tuez pas Gaius Maro à Pondragon, ni sur la route.
Tuez-le dans l'une des autres villes qu'il visitera. Là, le corps sera découvert plus rapidement, ainsi que la lettre impliquant... Astrid m'a autorisé à vous accorder une prime un peu inhabituelle si vous y parvenez. Il s'agit d'un objet précieux à remettre à Olava. Olava est une vieille et chère amie, une puissante voyante. L'objet vous permettra de connaître votre avenir. C'est une occasion à ne pas manquer. Ah, tu m'étonnes. À la prochaine. Oui, je suis votre... N'oubliez pas, votre cible est Gaius Maro, le fils. Pas le commandant Maro, son père. Lui, il nous le faut vivant. Mais le fils... Oh, brûlez-lui le visage. Alors... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça... Je pense que je vais faire... Un dégât de brûlure. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal... Et voilà, les enchantements sont plus puissants maintenant. Alors. Améliorer ma vigueur parce que j'en ai toujours besoin. Forgeage, il me reste plus grand chose. Et attends. Si je fais ça, admettons. Allez, là, ma pioche est bréchée. Là, ça augmente mon forgeage et inflige 5 points. Donc là. Puis voilà, donc est-ce que ça me prend en compte ou pas? Ah, j'aurais pu tricher, mais non, 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 il m'augmente pas suffisamment. Bon, qu'est-ce que j'augmente? Qu'est-ce que j'augmente? Ça, ça pourrait être intéressant quand je passe niveau 70, mais... Là, je peux augmenter mon armure suffisamment encore. Les armures que vous retenez ne pèsent rien, ne ralentissent pas vos déplacements. Bah, soit je mets un truc où je pèse pas grand chose, soit j'augmente aussi un peu mon archerie. C'est un truc que j'ai pas encore fait, des masses. Allez. Extra archerie. Où mon armée débonique passe à 48. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Guide de l'explorateur, j'ai mis l'apprenti. Faites attention. Salutations, mon frère. Salutations. Frère. Tout à fait. Nous avons Dicus, un récupérateur, Marandru Jo, un marchand itinérant, et Anoriat, un chasseur. Intéressant. Je vous apprendrai à l'utiliser efficacement et à conserver votre agilité. Bon, bah, je verrai ça. Allez. L'avantage, c'est que je peux aller tuer des gens. Alors, soit je fais les. Tiens. Et voler l'emploi du temps. On va pouvoir s'améliorer en archerie. C'est bien sombre. Des bonnes pieds prêtes à faire feu si nécessaire. Alors, je peux aller là à Rorikbourg. Anti-chien. Lui.
ce que j'ai va être intéressant. Oh, la flèche de la mort! La flèche de la mort qui tue! What the, comment what are you doing? Ah bah, I'm working. Ah bah comme d'habitude, je suis sur Skyrim, je récupère un peu de matos. On rig ball. Me ferait bien un plaisir là. Attends. Je t'aime pas, t'es pas beau. T'es moche. Ah bah ça lui a pas plu ma... Ouais, il a mérité. T'as de la chance que je peux pas te tuer, que t'es quasiment immortel. Qu'est-ce que nous avons ici? Allez les paysans, rangez-moi cette vache. Allez ma grande, on y va. Des gens à tuer. C'est par là. On avance. T'as pas ce petit article quand même. Le papillon. Que je tue, je pense que c'est soit un Khajiit ou un... Alors attends, il est où? Putain, il est loin maintenant. Ah, il va falloir que j'y aille à pied. Enfin, j'ai pas de cheval ici. On va avancer un petit peu. Je sais pas si la qualité sonore est mieux maintenant, je suis passé sur OBS pour voir un petit peu. J'ai un petit filtre qui tourne bien, un petit overlay. Je vais essayer de réfléchir à un tableau de bord beaucoup mieux. Mais faut que j'y travaille. Oh. Et d'acier, Excalibur. Je peux passer par là? Je ne peux pas passer par là. Il y a une grotte ici. Ce serait une cachette idéale pour des bandits, voire pire. Ouais. Oh, des loups. Alors, on va régler ça à l'ancienne. Voilà. Nous arrivons près d'une tour pour scinder. Ah oui Thomas, tu vas être obligé de... Ah, tu vas être obligé de faire le tour. Bah oui.
Quoi, c'était pas prévu dans ton programme? Bah non. Pilou pilou, est en bas on dirait. Bon, on va descendre. Ma nerf est en bas en fait finalement. Bon, tant mieux, c'est par là. Oh, je sens la sauvegarde rapide quand même parce que si je meurs, ce serait con. Allez. Ouf. Heureux que j'ai une armure. Allez, ils sont là. Quelqu'un qui m'attaque. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Oh là là. Vas-y, viens vous voir. Qu'est-ce que t'as? Regarde, 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 voilà ce qui va t'arriver. Ah oui? Ça. Ça, c'est quoi? Voilà. L'assassin discret, ses armes, c'est son corps. Emmerdé quand même. Oh. Ils sont morts. Dommage. Bon. La véritable cible, elle était par où? Elle était par là. Elle. Ah bah c'est toi que je dois tuer. Ah il t'a une garde du corps. J'en ai assez. Vos ennemis ne vous verront même pas. Ouais, tiens, mes ennemis ne verront nos PNJ ne peuvent pas vous aider à vous entraîner dans votre route vous d'accord. Conduire vers les sables. Marin Drugeot peut-il vous être utile? C'était pas facile à retrouver. Pourquoi me chercheriez-vous? Je ne suis pas sûr d'apprécier votre présence. Non, mais t'inquiète pas. Éloignez-vous de moi. Ah bon? Regarde, regarde. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux subir la même chose? Allez. Allez, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Rissade? Ouais, ouais. Je préfère ça. On s'en va. Je pense qu'ils ont pris. Ils ont découvert l'insolence. J'ai tué tout le monde dans le bordel. Allez, au suivant. Pierre de l'amant. Alors, voler l'emploi, tuer Gaius Magno. Vivre. Et ben on va aller là-haut. On va aller vite fait là-haut. Je pense que on avance. Ouais, on avance. Bon. Mais non. J'ai pas le temps pour ces conneries. Bonne de vous arrêter, mais ferme ta bouche. Ah, prends dragon. Et nous voici arrivés à Pont Dragon.
commis des crimes contre Bordeciel et ses habitants. Oh. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Mais quoi qu'il en soit, vas-y, je me rends. Tour dans le donjon de Morneuf. Vas-y, je me rends. J'avais pas de thune en fait pour payer l'amende. Sauf qu'il ne sait pas encore. Ah, qui es-tu, toi? Vous êtes ici pour mon prochain interrogatoire? Ne croyez pas que je ne sais pas ce qui va se passer. Il faudra très peu de temps à l'épée d'Atar pour venir... Je peux vous aider? Oui? Vous n'obtiendrez rien de moi, fils de maudit orqueur. Quoi, tu veux crever, toi? Hein? Pas de dégâts? Bon bah tu prends pas de dégâts, bon tant mieux. On va essayer quelque chose. J'avais débloqué un sort, Bacchae de Fenwick. Je suis du côté des sondages. Chien d'impériaux, jamais vous ne serez plié. Jamais. Tu me vois? Ah, effectivement, tu me vois. Pas de quoi t'occuper pendant que je suis plié. À la prison, et bah putain, j'y reviendrai pas. Ouais, je pense qu'on va arrêter là. Bon, allez, pour ce, je vous souhaite en tout cas à tous une excellente soirée et puis à très bientôt pour un prochain stream. N'hésitez pas n'hésitez pas à vous abonner, surtout pensez-y, ça me permet non seulement de m'améliorer, je prends de façon toutes les critiques, les commentaires que vous avez, et je les applique en fait en fonction de ce que vous me dites. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte rien, en plus techniquement avec Prime et tout. N'hésitez pas à follow si tu veux, si vous voulez avoir plus de contenu. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Allez, salut.